fiche qui veut tout simplement dire que... Occuper les jeunes durant les vacances et faire émerger leurs talents, cela a été manifeste dans l'arrondissement de Douala 2e. À travers une compétition sportive, le maire du 10e arrondissement a mobilisé les jeunes amateurs de football dans le but de promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés. Très déçu, parce que nous avons survolé la compétition. Nous avons eu 7 buts marqués déjà ici-là et puis nous avons remporté tous les matchs. À la bosse, et il y a eu la motivation et les encouragements des encadrés. Donc, sans chier. Des équipements sportifs ont été offerts aux athlètes. L'organisation, le staff, c'était bien organisé. Ils nous ont fait du plaisir en nous accordant des maillots et des godasses au début du tournoi. Ça, au niveau de la finale, ça a changé de métaux. Ce n'est plus le même maillot qu'on a utilisé durant le tournoi, mais c'est un autre maillot qui nous a accordé en la finale. Pour cela, je dis merci à Madame le maire pour ce don qu'elle nous a accordé. Un moment plein d'émotions pour ces jeunes. C'était très bien joué par de notre part. Je suis content pour cette victoire une fois de plus que nous avons dû avoir et que les années précédentes nous sont toujours gagnées. Elle était là, il y avait l'entente, il y avait la collaboration, ce qui nous a fait arriver au Tiobi. Et nous rentrons avec la victoire et nous ferons la saison prochaine. Beaucoup d'encourage à tous nos organisateurs, nos mamans et nos papas. Notons que cette compétition a permis aux jeunes de s'occuper pendant les vacances scolaires. À la fin de ce tournoi, les vainqueurs ont été primés et le rendez-vous est pris pour la prochaine édition.